Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 24. Et c'est bien le numéro 24 de Zelda 3T. Nous sommes dans le temple. Comment il s'appelle? Ruine des Abysses. Ruine abyssale, je ne sais plus. Comme je suis un boulet, j'ai encore oublié de sauvegarder la dernière fois, donc j'ai dû refaire l'équivalent des deux épisodes précédents. Ce qui était pas si long encore, ça va. Alors, il faut que j'aille là. Ce qui est un peu pénible dans ce jeu, c'est qu'on peut pas... Oups. Ça va être risqué, ça. C'est qu'on peut pas... survivre. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ok. D'une part, on peut pas survivre facilement, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'on peut pas sauvegarder quand on veut. Quand on sauvegarde, c'est obligatoirement sauvegarder et quitter en même temps. Ce qui fait que je sauvegarde pas très souvent. Et si jamais je ferme le jeu trop vite, bah comme j'ai pas sauvegardé depuis longtemps... Oups. Oh là là. Eh bien, je dois refaire du chemin déjà parcouru. Eh ben, ça commence très très fort aujourd'hui. Pourtant, j'ai déjà fait tous ces chemins-là des dizaines de fois. Mais ça veut toujours pas marcher. Oh non. Bon. Je me concentre. Je me concentre un peu. Lui, j'arrive jamais à le passer, de toute façon. Lui, habituellement, j'y arrive. Mais là, aujourd'hui, ça ne veut pas. Allez, plouf! Ouais, je suis mort au même endroit. Pourquoi je suis si mauvais là aujourd'hui? Jusqu'à présent, je m'en sortais pas si mal dans ce donjon. Surtout la deuxième fois que j'ai refait. Allez. Oh là là. J'aime pas cette pièce. Ah. D'accord. J'arriverai jamais à revenir là où j'étais, quoi. C'est affolant. Ah! Ça va tout de suite mieux quand j'arrive à tuer celui-là. Ah, mais ceux-là, je les oublie à chaque fois. Ici, normalement, il y a de quoi récupérer deux cœurs. Un là. Et. Un là. Voilà. Donc, on respire déjà un tout petit peu plus. Mais quand même pas beaucoup.
Parce que le problème, c'est que juste après, c'est méga dur. Non, c'est pas par là. C'est par là. Par là. Oui. Ah! Bon. Deuxième essai. Oh la vache. Que c'est dur. Je vais pas perdre mon temps parce que... Ah lui, je peux le tuer. Ça sera bien. Déjà une bonne chose de faite. Je peux pas encore. Lui, je peux. Pas, il y en a un autre en dessous. Ah merde! Ah, il y en avait un juste en dessous que j'aurais pu tuer. Comment je fais pour mourir deux fois dans cette salle, quoi? C'est affolant. On va dire que c'était le temps de retrouver l'échauffement. À chaque fois là j'hésite, oui là, c'est là qu'on a eu la boussole. Donc après faut aller là. C'est un peu long quand même de refaire le parcours à chaque fois. Allez, c'est parti, on entre en scène. Non. Ah, ça c'est pénible quand on... Dès qu'on utilise le grappin, on perd absolument toutes les défenses, quoi. Cool, j'ai eu. Attends, c'est pas vrai, il m'a tué. Il m'a tué après être lui-même mort. J'avais réussi, quoi. J'avais fait le plus dur. Ah. Ça y est, j'essaye à nouveau d'aller trop vite. C'était juste, hein. Juste aller prendre le cœur qui est là. Ça vous embête pas. Et celui-ci. Ah.
D'accord, d'accord aussi. Voilà. Allez, c'est reparti. On y croit. On peut le faire. C'est mal barré. Il va pas refaire le même coup, lui, hein. Il est juste en dessous, tout droit. Ouh, je l'ai eu. Est-ce que je prends la potion rouge? Allez, oui. Je voulais la garder pour le boss, hein. Mais là, je commence à en avoir marre de mourir tout le temps. Ah merde, il faut que je reprenne le grappin. Je vais t'avoir tranquillement. Ah. Finalement, il y avait des cœurs dans cette pièce. Et lui, je l'ai pas encore eu. Je pense qu'il faut l'avoir depuis là. Quoique je suis loin. Ah bah, c'est plus des cœurs. J'ai vraiment pas de chance. Et l'autre, comment on peut l'avoir? De la même façon, peut-être? Peut-être en tirant une flèche. J'aurais peut-être dû essayer avec des flèches plus tôt, parce que... au moins, pendant qu'on tire la flèche, on peut bouger après. On peut s'échapper un peu. Ok. J'ai l'impression d'avoir gâché une potion rouge quand même. Alors. Ah, un trésor qui a l'air intéressant. Serait-ce les palmes? Pas du tout. Une petite clé. Mais je sais parfaitement où il faut l'utiliser. C'est un endroit. J'aurais pu aller bien avant, mais simplement j'avais oublié. Du coup, j'ai eu une autre clé. Enfin, quand j'ai eu la première petite clé, je l'ai utilisée ailleurs. Mais au final, ça change pas grand chose. Alors, faut que je te retue. Voilà. Faut que je remonte. Ah oui, c'est par là. Par là et par là. Et ça, c'est une porte que j'avais ouverte au préalable. Grâce à l'autre petite clé. Donc nous voici dans une nouvelle grande salle. Enfin, pas totalement nouvelle. Puisque j'étais déjà allé juste ici. Voilà. On peut passer là. Ouais. Ah, je reconnais cet endroit. Je crois que je reconnais cet endroit. C'est une salle qui est tout près du début du donjon. On arrive par là, juste à droite. Donc maintenant qu'on a ouvert la porte, on va revenir au début de façon express. Et voilà.
Et puis on va voir ce qu'il y a derrière cette porte. Si je me souviens bien, c'est par ici. Ouais. Oh, un mini-boss. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouh là là, il est fou, lui. D'accord. Donc il faut changer de plateforme sans arrêt. Bah ça n'a pas l'air facile une fois de plus. J'ai bien des cœurs. Là, il y a que des flèches à chaque fois. Comment je peux l'attaquer quand il n'est pas près de moi? Genre quand il est là? Oh merde. Si je peux l'attaquer depuis ici à la rigueur. Sauf que c'est plus moi qui me fais tuer qu'autre chose. Ouais. Au moins, ça va vite pour y retourner. Je peux pas lui renvoyer ces boules de feu massives. D'accord, donc c'est le meilleur moyen de protection, c'est de les renvoyer avec l'épée. Je sais pas si ça blesse, mais au moins je me sers de mon épée comme d'un bouclier. Ah, j'ai détourné du mauvais côté là. Ok, eh ben vous savez quoi, on ira tuer ce mini-boss dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.